Incroyable. Suite au décès tragique de la célèbre légende du coupé décalé Didier Arafat, l'artiste Mewé est très en colère et accuse les autorités ivoiriennes. Pour plus d'informations, après le générique. Avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Trois mois après le décès de Didier Arafat, l'artiste ivoirien Mewé a fini par briser le silence et accuser les autorités de laxisme. Invité sur l'émission La Grande Matinale d'Africa Radio pour la promotion de son 13e album Légende en 30 ans de carrière, l'artiste Mewé a évoqué le décès du roi du coupé décalé Didier Arafat. Arafat est mort parce qu'il a voulu, sinon on allait le protéger. A-t-il laissé entendre en croire l'artiste rapporté par le Script Info, les autorités pouvaient lui retirer son permis de conduire pour éviter qu'il déraille. Je suis une légende de la musique africaine, je ne veux pas entendre mon décès pour qu'on le dise, comme cela a été pour Didier Arafat, a répondu Mewé interrogé sur son nouvel album dans lequel il s'autoproclame légende. Aussi a-t-il déploré l'hommage national rendu à Ange Didier, alias Didier Arafat, a-t-il se posturé alors qu'il aurait pu en bénéficier de son vivant. Pour rappel, Didier Arafat est décédé le lundi 12 août 2019 dans un grave accident de moto à Abidjan. Année sabbatique annoncée après le décès d'Arafat Didier. Voici les raisons pour lesquelles Kedje Bara est revenu sur sa décision. La disparition d'Arafat Didier a créé un bouleversement sans nom dans le coupé décalé et dans la musique ivoirienne en général. Dans l'élan de tristesse, certains acteurs du showbiz ont fait des annonces choquantes. Parmi eux, Kedje Bara, qui était très proche de l'artiste, ce dernier a ainsi déclaré observer une pause de musique d'une année afin de rendre un fier hommage à son frère disparu. Cette décision a toutefois été revue puisque le boss du 18 avril production qui prépare un grand concert le 29 novembre prochain est de plus en plus présent sur les scènes musicales. Qu'est-ce qui a motivé ce revirement de situation? Vous le saurez par la suite de la vidéo. Arafat, c'est mon frère et ami. À son décès, j'ai décidé d'observer un temps de réplique pour sa mémoire. Je savais que j'avais déjà des sons déjà conçus et qui moussaient, qui pouvait être joué dans les points chauds de la Côte d'Ivoire pendant cette période. Mais par la suite, j'ai reçu des conseils de grands frères et des versiers qui m'ont dit que je ne devais pas abandonner. Car Arafat et moi, ont-ils dit, sommes les piliers du coupé décalé. S'il est parti, je devais continuer de travailler. J'ai écouté leurs conseils et j'ai décidé de revenir sur ma décision, a-t-il avoué sur le site du Script Info.